Unasema Bunagana ulianza tumika kazi gani Bunagana? Ni Bunagana. Pale mnaingia na M23. Bunagana nimekuja tukapigana, tumemaliza kupigana, tukamata silaha za FARDC, bana tukambia tukamata silaha za FARDC. Tuzipeleke Rwanda. Nimemaliza kupigana, ngaliye siku ya 15 mwezi ya 7. Tena wakaniambia nirudie Runyoni kufundisha batoto wanafunzi wa M23 wametoka Rwanda na Uganda kuwafundisha silaha mupya ya Rwanda wanaita 81-1. Rudiria, ni silaha gani? Ni silaha ya kupiga masasi na makompra. Wanaita nini? 81-1. Wewe ulianza kuforme watu pale Runyoni? Ndio. Aksanti. Na Bunagana via pia. Ndio. Aksanti. Début des opérations de grande envergure dans le territoire de Rutshuru dans la province de Nord Kivu. L'armée congolaise amplifie des opérations afin de mettre l'ennemi hors état de nuire. Nous prenons en duplex M. Yannick Warangazi. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les auditeurs de Afro 243. Monsieur Yannick Warangazi, vous êtes notre correspondant, vous êtes au Nord Kivu, précisément à Goma. Plusieurs sources nous signalent le début des opérations de grande envergure au Nord Kivu, dans le Rutshuru précisément. L'objectif de l'armée, c'est de reconquérir Bunagana. En fait, c'est depuis dimanche dernier que les avions de chasse sont arrivés ici dans la province du Nord Kivu. Ils ont été visibles dans les airs ici à la ville de Goma. Et d'ailleurs, l'un de ces avions, hier lundi, a effectué plusieurs vols de reconnaissance sur la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est aujourd'hui, maintenant, mardi 8 novembre 2022, que nous venons de l'apprendre. Ces avions viennent de commencer avec le travail. Donc, pour dire, ils sont venus à ici dans la province du Nord Kivu pour restaurer l'autorité de l'État dans la province, plus précisément, plus particulièrement dans les territoires de Rutshuru, et territoires toujours sous l'emprise des rebelles au M23 et les alliés du Rwanda. C'est maintenant, c'est matin que ces avions viennent délasser les hostilités sur les collines de Changu et Musongati. Je l'ai dit, c'est dans les territoires de Rutshuru. D'après plusieurs sources dans la zone, plusieurs positions de l'ennemi sont en train d'être attaquées par ces avions de la République démocratique du Congo et l'ennemi serait déjà à débandade. Voilà au moins la nouvelle, mais pour le moment, aucun bilan n'est disponible. Donc nous attendons la communication officielle de l'armée congolaise qui pourra revenir sur le bilan. Ils ont commencé les bombardements sur le colline de Changu et Musongati. Vous le savez, c'est tous les deux collines considérées comme base des rebelles du M23. Ce sont les collines qui, depuis l'installation de l'ennemi ici à province Nord Kivu, ces collines sont toujours occupées par ces hors-la-loi. Donc, si l'armée parvenait peut-être à reprendre ces deux collines, et ça sera déjà le début de mettre fin à l'ennemi qui est en train toujours d'inquiéter la population de la province du Nord Kivu, plus particulièrement celle du territoire de Rutshuru. Vous le savez, c'est depuis Belle Lurette que la cité de Bunagana, située dans le même territoire, est toujours occupée par l'ennemi. Donc là, la population civile sont en tout cas sont très inquiétés par l'ennemi. C'est la même chose pour la cité de Kiwanja et Rutshuru Centre, toujours les deux cités situées dans le même territoire qui sont aussi occupées par l'ennemi. Donc là, c'est l'ennemi qui impose la loi. Et les forces armées de la RDC réagissent afin de sauver ces populations civiles victimes des exactions de l'ennemi. Des cités, est-ce ces cités ne sont pas visées par ces bombardements? On parle de Bunagana et Changu. Non, pour le moment, c'est d'abord Nyoni et Musongati
qui sont d'abord visés par les bombardements. Je ne pense pas que ce sera la même chose pour les cités précitées, vu qu'il y a des populations, ce sont des cités qui sont peuplées, donc il y a des populations civiles. À mon avis, dans ces cas-là, ça sera impossible. Mais de position d'un 23 sur le colline-là, comme ce sont elles les bases de l'ennemi, et c'est là que les forces armées de la FDC ont commencé. Mais la cité de Kiwanga était le retour au centre, même celle de Bunagana. Les opérations ne sont pas encore lancées et on ne sait pas encore quelle stratégie l'armée utilisera pour mettre à déroute l'ennemi dans cette partie. Donc c'est le colline constitué, leur base logistique et leur base de ravitaillement qui vient d'être attaquée. De l'ennemi qui sont en train d'être attaqués par les forces armées de la FDC. Donc c'est une stratégie de l'armée. Peut-être, d'abord, le base principal, ce sera déjà quelque chose de positif et qui pourra amener au retrait, même immédiat, et se constituer des rebelles bien 23 et les alliés, les Rwandais. Donc, c'est couper le source des ravitaillements pour mieux frapper maintenant l'ennemi. Vous signalez déjà que l'ennemi est en débandade. Bien évidemment. Donc, attaquer le coup des Rwandais et Musunga, oui. Alors, reconnu des Changu et Musunga, c'est déjà couper les ravitaillements de l'ennemi, vu que ce sont les bases principales d'emporter. Et après avoir attaqué ces deux collines, il y aura une possibilité que l'ennemi lui-même se retire des cités de Bunagana, Kiwanga et le Rutshuru. Donc l'armée congolaise amplifie et poursuit les opérations sur terrain. Et parce que la population était révoltée, nous avions vu également plus de 2000 jeunes déterminés à verser de leur sang. Le chef de l'État a dit que l'heure est grave. Donc c'est le moment pour le peuple congolais de se mobiliser pour sauver le pays, la République démocratique du Congo qui est en danger. Le lendemain, juste le lendemain du message lancé par le chef de l'État, plusieurs ici à Goma et dans d'autres parties de la province ont répondu à cet appel. Ils ont massivement adhéré aux forces armées de la République démocratique du Congo et se disent prêts à battre les rebelles au DM23 et le Rwanda. Donc c'est déjà un très beau départ pour la République démocratique du Congo. Qui ne veut pas toujours demeurer sous l'emprise de Paul Kagame. Donc, la République démocratique du Congo, surtout les forces armées de la FDC, sont toujours très, très déterminées. Et voilà pourquoi elles sont en train de lancer les offensives pour voir comment sauver la population de cette situation. Il y a les jeunes civils, les jeunes qui adhèrent, comme vous le dites, certains ont été présentés à la presse de Goma, c'était hier, ici à la capitale des jeunes. Donc pour dire, il y a des jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui qui a appelé les jeunes à l'organisation de vigilance, à l'adhésion massive au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc ces jeunes, ils sont en train de répondre à cet appel du chef de l'État. Comment toutes les couches de la population ont accueilli les discours du président de la République? Après les discours du chef de l'État, comme lui-même l'avait dit, les jeunes s'organisent et donc ça montre déjà qu'ils sont prêts et ça montre déjà qu'ils ont aimé les discours du chef de l'État. Parce que la preuve est là, quand ils répondent directement à l'appel, juste le lendemain, il y avait plus de 2000 jeunes qui ont rejoint les forces armées de la FDC. À Beni, ici à Goma et dans d'autres parties de la province. Donc, ça montre que le discours a été bien accueilli par les chefs de la population et surtout que le chef de l'État était clair. Il a montré dans son discours que l'heure est grave et qu'il faudra il faudra que le déjà soit dans l'unisson. Il faudra assurer les populations civiles de la République démocratique du Congo. Une vigilance citoyenne.
la tabasse politique de tout et chacun. Merci Monsieur Yannick Ouarangazi, vous êtes au nord qui vous. Merci pour votre disponibilité. Merci aux téléspectateurs, auditeurs d'Info 243. Le vôtre, Raphaël Oualoukonka, vous dit au revoir. Info 243, au cœur de l'actualité.